أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله خدم المقدار العظيم Dear brothers and sisters in Islam, c'est toujours la Hadji Bangal Jabi qui est en train de faire cette vidéo. Et ma vidéo d'aujourd'hui, c'est concernant le voyage. Vous savez, pour voyager, ce n'est pas facile. Pour voyager, c'est Allah qui facilite le voyage. Si vous voulez vraiment effectuer un voyage, vous avez décidé de voyager, vous voulez aller dans un autre pays, ou bien vous voulez voyager à l'intérieur de votre pays, voici, il y a des ayats dans le Coran. Je vais vous expliquer comment ça s'est fait. Premièrement, l'aïa, ça va, a'ouzou billahi minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim, summa sabila yassarahu, summa sabila yassarahu, summa sabila yassarahu, ça se trouve dans Surah Abbasa, numéro 20. Si vous recherchez l'aïa là, ça se trouve dans Surah Abbasa, numéro 20. Deuxième aya, inna hadaynahu as-sabila. Inna hadaynahu as-sabila. Ça se trouve dans Surah Al-Insan, numéro 3. Donc, ça, c'est les deux différents ayas que je voulais parler aujourd'hui. Donc, le pratique, c'est comment? Si vous décidez, c'est le même aya que vous voyez là, summa as-sabila yassarahu. Summa as-sabila yassarahu. Inna hadaynahu as-sabila. Inna hadaynahu as-sabila. Maintenant, si vous décidez de voyager, supposons, vous voulez voyager, aller en Côte d'Ivoire. Vous êtes un Ivoirien. Vous êtes résident en Occident. Vous êtes un Ivoirien. Vous êtes dans un pays limitrophe. Vous voulez vraiment effectuer un voyage sur la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ou vous êtes quelqu'un qui est un étranger, c'est-à-dire vous n'êtes pas résident en Côte d'Ivoire. Vous êtes un Malien. Vous voulez venir visiter la Côte d'Ivoire. Vous êtes un Ivoirien qui est résident en Europe, qui veut vraiment revenir dans son pays pour une visite familiale. Et puis se retourner encore. Et où il réside, c'est valable pour tout le monde, mais il y a quelques différences que tu dois le savoir. Pour quelqu'un qui veut venir visiter la Côte d'Ivoire, lui il prend que la Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un qui est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vous êtes un Ivoirien, vous êtes en Côte d'Ivoire ici et vous voulez voyager, aller à l'intérieur, vous ne prenez pas la Côte d'Ivoire, vous allez prendre seulement que le nom de la ville concernée. Supposons que c'est Tiassalé, vous voulez aller visiter. Donc maintenant, vous prenez Tiassalé et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le nom de la Côte d'Ivoire, le pays à visiter. Vous allez le écrire sur un bout de papier comme ça. Et pour retrouver l'équivalence des numéros qui va avec les lettres, voici les références. Côte d'Ivoire, vous allez le retrouver ici. Mali, vous allez le retrouver ici. Sénégal, vous allez le retrouver ici. Donc, pour la Côte d'Ivoire, on écrit Côte d'Ivoire comme ça. Le C, le 3, 60, 200, 5, 4, 9, 400, 60, 9, 90, 5. Vous les mettez ensemble pour l'additionner et ça vous donne 845 pour la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Le premier ayah, la Summa Sabila Yassara, où vous allez le zikrer 845 fois avant le voyage, avec vos intentions, que Allah facilite le voyage. Vous allez le zikrer 845 fois. Maintenant, après avoir effectué le voyage, vous êtes venu maintenant en Côte d'Ivoire. Vous voulez vous retourner
allez dans votre pays habituel, que ce soit France, que ce soit Bamako, que ce soit peu importe le pays où vous étiez avant, avant d'effectuer le retour, vous allez commencer maintenant à zikrer Inna hadaynahu as-sabila, Inna hadaynahu as-sabila, au nombre de 845 fois avant le retour, pour qu'Allah facilite aussi le retour. Et voici comment ça se passe. Mais supposons, moi je suis un Ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment effectuer un voyage aussi Tia Salé. Et je prends le nom de Tia Salé, je l'écris comme ça, T-I-A-S-S-A-L-E. 209-1-100-101-35. Donc je les mets tout ensemble, ça me donne 446. Ça c'est pour Tia Salé. Et mon zikr que je dois faire, je dois maintenant commencer à zikrer sous ma sabila, il y a Sarahou, avant le départ, 446 fois. Après avoir effectué le voyage, Inna hadaynahu as-sabila, je le fais maintenant encore 446 fois pour qu'Allah facilite le retour. Et voici comment ça s'est fait. C'est valable pour tout le monde. Vous êtes en Occident, vous êtes en France, en Europe, partout où vous êtes, il suffit seulement que vous preniez le nom de le pays visité et vous allez retrouver ce que vous allez zikrer. Inch'Allah, Souma, Inch'Allah, c'est très efficace. Maintenant aussi, pour les deux ayats que je viens d'expliquer tout à l'heure, Souma Sabila Yassarahu, Inna hadaynahu as-sabila, pour quelqu'un que sa femme est enceinte, une femme qui est enceinte, le mari peut le faire pour sa femme, la femme même peut le faire pour elle-même. Elle prend l'eau, elle récite Souma Sabila Yassarahu 7 fois sur l'eau normale, Inna hadaynahu as-sabila sur l'eau normale, et elle va boire ça quotidiennement. Inch'Allah, Souma, Inch'Allah, le jour de l'accouchement, Allah facilite l'accouchement. C'est très efficace. Elle peut aussi prendre ça comme une pommade pour masser le ventre avec. Le mari peut le faire pour sa femme, la femme même peut le faire pour elle-même, pour qu'Allah facilite l'accouchement. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Maintenant, quelque chose après, je vais vous expliquer un tout petit trick. Souvent, il arrive qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à bien zikrer. Quand vous allez trouver 845 fois, c'est difficile pour certaines personnes pour zikrer jusqu'à 845 fois. Il suffit seulement qu'il commence à zikrer. 45 fois seulement, ça lui suffit. 45 fois, il va faire 5 et après le 5, il va faire 40. Avec ses intentions pour qu'Allah facilite le voyage. C'est valable aussi encore pour 446. Il suffit seulement qu'il va zikrer 46 fois seulement l'aya, les deux ayas. Allah facilite toujours le voyage. Pour tous ceux qui vont le faire, mais Allah met le baraka. C'est toujours Al-Hadji Bangal Djabi qui faisait cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.